Yap yap tout le monde, c'est Sanga, bonjour et bienvenue chez moi aujourd'hui pour le test de FIFA World Beta, un petit jeu gratuit qui est sorti sur les plateformes d'origine. Oui, je dis bien gratuit car ça doit être un des premiers d'ailleurs de la série des FIFA. En tout cas, moi et le foot, ça fait environ deux. J'ai dû m'arrêter à l'époque de Trezeguet, Barthez, Zidane. Bon, les années 98, je suis d'accord avec vous, mais on va pas faire de polémique. J'ai décidé de renouer un petit peu des liens avec un sport de mon enfance. Je le fais avec vous directement, et ça change un petit peu des FPS, de tous les jeux qu'on puisse rencontrer aujourd'hui sur ma chaîne. Donc, voilà, vous êtes arrivé sur votre compte personnel. Donc, au début, il vous demande un petit peu de choisir le nom de votre équipe que vous désirez le plus représenter. Donc, j'avais choisi PSG à l'époque. Bon, d'accord, je ne suis pas un adepte, non, forcément de Paris, mais bon, avec des amis, donc j'ai décidé directement de le faire avec eux. Donc voilà, vous arrivez un petit peu sur votre compte personnel. Donc là, c'est toutes les options que vous avez la possibilité de faire, les transferts de votre propre joueur ou acheter des autres joueurs à d'autres joueurs en ligne. Donc à 90% environ, c'est un jeu en ligne, et à 10%, on va dire, c'est un jeu contre l'ordinateur. Donc vous avez votre club, vous avez un panoramique de possibilités qui est excellent, vraiment. Vous avez une gestion d'équipe, vous pouvez changer l'entraîneur, vous pouvez acheter des joueurs dans partout dans le monde entier et vous recréer peut-être une équipe de légende. Donc c'est vraiment à vous de personnaliser comme vous le souhaitez. En plus de ça, vous avez la possibilité, si vous voulez vous munir d'une manette, pour un jeu de foot, c'est quand même beaucoup plus facile de jouer à la manette, parce que un petit peu jouer au clavier, vous avez beaucoup moins de réflexes. Alors je sais que pour les inconditionnels des claviers PC, ils vont me dire, oui Sanga, tu joues avec une manette, mais oui, je trouve que personnellement, un jeu de foot avec une manette, c'est quand même beaucoup plus agréable. Donc voilà. Donc on va voir un petit peu, on va se faire un petit match en ligne, voir un petit peu comment ça se passe. Donc là, vous avez vraiment mes joueurs, hein. Vous êtes très vert, les petits traits rouges. Un petit peu, c'est l'entente entre les joueurs. S'ils ont déjà joué dans la réalité, dans leur propre club, disons que vous avez une entente où les passes sont beaucoup plus précises, beaucoup plus fluides, et ça vous permet de faire des techniques un peu plus améliorées que si les joueurs étaient des quatre coins du monde et ils ne s'étaient jamais vus. Donc ça, c'est un petit plus qu'ils ont apporté, je trouve ça assez sympathique. Bon, je retombe sur exactement le même joueur, donc on va voir un petit peu. Donc il a 19 victoires, 5 défaites, moi j'ai 25 victoires, 22 défaites. Je pense que je peux prendre une raclée, parce que vu son équipe qui a l'air d'être vraiment très excellente, même si ce n'est pas forcément des joueurs or, vous avez un petit peu l'étoile et la barre de progression, c'est une barre un petit peu qui vous dit si le mec c'est un rockstar ou pas. Donc voilà, on est parti pour le match. Donc la petite truc d'entrée. C'est parti. Oui, c'est parti comme tu dis. Donc les commentaires, hein, toujours rendez-vous avec FIFA. Donc pour ma part, j'ai trouvé des commentaires qui sont vraiment votre action et vraiment votre épopée au niveau de vos matchs. Donc alors, on va voir ce que ça va donner. Allez, c'est parti mon cher ami, est-ce que tu peux faire la passe? Allez, c'est parti. Tac. Alors, on va essayer de marquer les joueurs. Ah. Bon, d'accord, ok, il met face un petit peu. Là, c'est le but direct d'entrée, histoire de me faire comprendre que Sanga, tu n'es pas à ta place. Mais bon, c'est pas grave, on va pas se faire désemparer par un seul but. Même si je n'ai pas un peu compris ce qui se passait, donc un joli centre quand même, et une reprise de la tête. Donc, bon, GG à lui, 4 minutes, ça me rassure beaucoup. Allez. Allez, moi aussi, je peux faire. Ah non, mais n'importe quoi, l'attaque est enrayée, bien sûr. Bien sûr, l'attaque est enrayée. Ah, ça ne passe pas. Jérémy Ménez. Allez, Gigi. Et moi aussi, je fais un but de la tête, monsieur. Et Pastore dans la surface de réparation. Le petit tir de la tête. J'aurais perdu des neurones personnellement sur ce tir, mais bon. Au moins, j'égalise. C'est quand même le principal. Alors vous avez les ralentis toujours, vous pouvez prendre des photos et les partager, même prendre complètement l'action et la partager sur vos chaînes Facebook ou quoi que ce soit. Donc vous avez toujours un petit peu des petits lags, ça dépend beaucoup aussi de la connexion de l'autre et surtout qui c'est qui a la connexion. Bon, alors on va essayer de pas se prendre un but.
Allez, ça circule bien. Oui, oui, ça circule bien. Alors, je pense qu'il va recentrer comme d'habitude. Voilà. Bon. À mon avis, il a voulu viser le pigeon ou quoi que ce soit qui passait par ici. Allez. On va dégager avec le gardien. Hop, allez, c'est parti. Allez, Pastore. Hop là, la tête plongeante. Là, oh, la reprise de volée, elle était magnifique. Elle était magnifique. Je donne la pression, hein, un petit peu. Il le faut, de toute façon, dans ce jeu. Parce que sinon, si vous faites vous dominer dès le début du match, c'est vraiment pas bon. Bon, la tête sans souci pour le gardien. Alors, hop, il dégage direct, histoire d'avoir l'avantage. Alors, je vais essayer de le bloquer. Non, je vais rien essayer du tout. Allez, il me trace. Allez, son défenseur, enfin. Oh, j'étais présent. J'ai vraiment eu chaud. Oh, c'est joli, ça. Je suis tout seul. Et c'est le but. Le but magnifique. On peut faire un petit peu le show des fois qu'on arrive à marquer des buts, sachant que ce n'est pas tout à fait le cas tout le temps. Bon, allez, je mets un petit bout d'avance histoire d'arriver à gérer le truc. Alors, vos joueurs peuvent se blesser, comme dans la réalité, même si des fois j'ai un peu l'impression qu'ils sont en mousse. Bon ballon d'attaque. Oh, la bâton. Oh, non. Oh, il légalise. J'aurais pas dû me foutre de lui, Ruben Castro. En tout cas, je pense que ça va être un très très bon match parce qu'il y a beaucoup d'action. Et beaucoup d'actions qui finissent en but. Donc ouais, c'était vraiment joli, la petite tête plantée. J'espère qu'il s'est pas fait mal. Voilà, pour pas laisser de chance, il n'en l'a pas laissé. Ah non, j'ai voulu faire une reprise de volée. Bon, on se réhabitue facilement hein, au contrôle. On se réhabitue facilement au contrôle, même si c'est, j'ai un peu l'impression que par rapport aux autres FIFA, c'est vraiment plus axé dans la simulation. Vous pouvez pas faire le fifou à n'importe quel moment. Bon là, hop, bonne sauvegarde du ballon, même si j'ai énormément de chance. Allez, hop là, la petite passe dans la profondeur, mais loupé, hop là, je me suis effacé malheureusement. Et le ballon qui change de camp, magnifique. Bon, on essaie de faire une bonne défense, on essaie de faire circuler le ballon, mais on touche. Donc des fois, vraiment, faut vraiment être à l'affût plutôt, du moindre petit geste que vous pouvez faire, parce que le moindre clic en plus sur une touche, ça peut facilement vous faire partir votre ballon en touche ou en corner. Donc vraiment faire attention à être très très précis. On n'a pas vraiment le droit à l'erreur des fois. Johan Cabaye. Ah, il n'est pas tout seul. Allez, on va essayer de passer, mais non, on n'est pas passé. On récupère ce ballon dans l'entrejeu. Allez, dans l'entrejeu, on va essayer de faire une passe en profondeur. Voilà, c'est parti. Ah, non, du tout. Donc vraiment, plus axé sur la simulation, c'est vraiment beaucoup plus difficile. Il n'est pas en jeu, monsieur l'arbitre. Alors là, si je sors pas le gardien... Oula, j'ai été dangereux là. Dangereux, la relance était vraiment dangereuse. Alors on va voir si je peux arriver à faire quelque chose. Oh, la tête plongeante. Bon, sans souci pour le gardien parce que je n'ai même pas cadré la chose. Allez, non, Sanga, t'es pas pas but. C'est une très jolie frappe. Je te l'accorde. Ruben Castro est vraiment très fort. C'était un très très beau but. Il ne m'a pas laissé le choix. Hein. Directement, il m'a dit, celle-ci va aller au fond. De toute façon, je le sentais. Quand vous avez un joueur avancé comme ça, c'est 80% de chance que vous preniez un but. À moins que vous avez vraiment un gardien qui fait 2 mètres sur 2 mètres de large. Donc on va essayer de faire circuler le ballon. Pas trop. La jouer à la perso sur ce jeu. Parce que c'est vrai que ça, c'est facile que vous puissiez vous prendre un but.
Allez, on remonte les petits joueurs là. Mais non, 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 il a fait un grand écart là, monsieur l'arbitre. Ah, c'est contré, bien défendu. Très bien, Pastore. Alors ça, c'est mon petit son. Ils ah, le petit son, c'est un petit chinois. C'était un renard de surface. Je l'ai eu dès le début. Vous avez des packs, en fait, dans le jeu. Ah non, non, non. Je voulais pas dire de pack. Ouh, avec l'effet de flic, j'ai cru qu'il y était dedans. Donc vous avez des packs que vous achetez dans le jeu. Donc des packs bronze, des packs argent et des packs or. Et ces packs vous permettent tout simplement d'avoir la possibilité d'avoir des nouveaux joueurs. Bon alors, commentez en même temps. J'y arrive pas trop, sans le gars. Ouais, elle y est. Je crois qu'il voulait viser un supporter qui n'était pas d'accord avec son but de tout à l'heure. D'accord. Oh, y a des solutions, oui, il y a des solutions, je le sais, mon cher ami, qu'il y a des solutions. Monsieur l'arbitre, il m'a pété la cheville, là. Ruben. Alors, c'est ça que je trouve ça dommage, c'est que des fois, des petites fautes de merde. Oh là oh là, j'ai vraiment eu de la chance, j'ai sorti mon gardien. C'était dangereux, soit je le faisais, soit je me prenais un but. Allez. Oh, ça, c'est beau. Oh, c'est bien parti. Le gardien repousse. Oh, ça peut revenir. Allez, bah enfin le cafouillage dans la surface de réparation. Là, il est pas en corner peut-être. D'accord. J'ai pas compris, j'avais cru qu'il était en corner. Oh, c'est bien taclé. Ouh la tête. Dommage. C'est vraiment dommage. Vous avez la pression, c'est vraiment tout le match. Hein. Les joueurs, souvent, s'ils sont forts ou pas, vous pouvez vraiment... Ah là là, il a loupé la balle. Il a fait une feinte. Non, maman. Non, je crois que je vais me prendre un 4-0, les amis. Si je ne fais pas quelque chose maintenant. Peut-être une élongation. Bon, une élongation. Je crois qu'il s'est ruté la cuisse. Bon, ça fait un match 3-2. On ne peut pas gagner à chaque fois, mais en tout cas, c'était un très beau match. Vraiment très sympa de sa part. Il a été fair play, en tout cas, il m'a mis des buts comme il faut, histoire de me dire, Sanga, tu ne feras pas ta vidéo en gagnant, même si on voudrait tout le temps gagner. Donc voilà, vous avez un petit peu, en plus de ça, quand vous revenez, voilà, vous avez les points. Donc pour l'instant, je suis en relégation pour la division 8. Donc on va essayer, pour la prochaine fois, de faire un match plus sympathique. Donc voilà les amis, en tout cas, j'ai essayé de vous faire découvrir le maximum que je puisse vous montrer sur ce jeu, sachant que j'ai le droit de faire que 10 minutes, donc on va voir un petit peu. En tout cas, j'espère que vous serez nombreux à essayer d'essayer d'y jouer, d'essayer d'affronter vos amis, parce que facilement vous pouvez affronter vos amis en ligne. Donc en tout cas, voilà. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère, comme d'habitude, que vous avez aimé. Je voulais vous remercier particulièrement pour l'attention et tous les commentaires bénéfiques que vous me faites chaque jour. Et j'en suis vraiment très heureux. Et n'hésitez pas, commentez, partagez et likez. Ça me fera très, très plaisir. Et on se rejoint à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bisous mes coachs chauds et à bientôt.